Mesdames et messieurs, une grosse salutation pour nous tous, que nous connaissons déjà non pas c'est Franky qui a présenté l'information sur une nouvelle technologie. M'a parlé avec nous dans le téléphone depuis ville Panama City, qui est la capitale pays Panama en Amérique centrale. En pile information sur nouvelle technologie, Facebook acheté WhatsApp, nous allons parler de ça dans Epitech. World Mobile Congress l'a fait année ça dans ville Barcelone dans pays l'Espagne. Gros monsieur a vient présenter en pile nouveauté dans sa relé high tech là. Et puis dans Epitech nous allons parler de Street Tab avec Handsome qui c'est deux tablettes qui va faire compétition en Haïti. Deux tablettes ça est assemblé totalement en Haïti. Et puis dans Epinet nous allons parler de weedfightcensorship.org. Yo ONG capé des monde lutter dans ça contre ça fait censure qui dans ça qui concerne information sur internet. N'ap tourner avec Epitech. Ouais, j'en ai parlé déjà, nous connaissons Facebook acheté WhatsApp pour une valeur de 19 milliards de dollars, 16 milliards de dollars pour compagnie et puis 3 milliards de dollars pour compensation entre employés. C'est pas mal du tout. Pour qui ça Facebook fait gros rachat ça, c'est parce que tout simplement Facebook a perdu pied dans le milieu jeunesse là qui plus intéressé aujourd'hui à de messagerie instantanée tant que WhatsApp, LINE, WeChat qui fait gros succès en Chine d'ailleurs. Facebook pas peur dépenser l'argent ça parce que Zuckerberg qui s'est mettre Facebook déclaré une plateforme tant que WhatsApp qui gagne 450 millions de monde qui a utilisé à travers le monde, li gagne en pile potentialité. Donc Facebook compte faire tête li un petit coup de jeunesse à avec achat WhatsApp là. World Mobile Congress qui c'est un gros salon pour présentation et téléphonie mobile avec tout mon lot mobile dans le monde a fait année ça dans ville Barcelone. Samsung app là, Nokia app là, Sony Ericsson, Sony en fait tout gros monsieur yo, Panasonic nèg yo pral présenter qui ça porte dans Jacoutio comme nouveauté pour année 2014 là. D'ailleurs Samsung déjà présenté et Galaxy S5 là. Il y a pile l'autre monsieur Kabla tout dans monsieur qui fait cap vinyo tant que Yota qui sont modèle russe et puis VNK qui sont modèle congolais. N'ap tourné pour Epitest. Tout le monde déjà t'entendait parler de Street Tab qui c'est une tablette qui totalement assemblée en Haïti. Mais gon l'autre qui semblait pas loin c'est Handsome. D'ailleurs qui il nous connaît Street Tab déjà en vente à travers une compagnie téléphone qui existait en Haïti. Street Tab d'origine belge, Handsome d'origine danoise, ben c'est deux tablettes qui pourraient faire compétition en Haïti. C'est très positif pour Haïti qui a pu vraiment voyons un signal assez positif qu'on y a qui entre dans le monde technologie. Dans le prochain épitest, nous pourrons parler et décortiquer pour vous qui ça deux tablettes ça porter pour vous, porter dans Jacoutio dans point de vue technologique. Qui ça au café, qui ça au pas café, qui performance, qui ça au cas utile. Nous pourrons parler de tout ça dans le prochain épitest. Je dis à Naipinet d'en parler de un bagage qui est assez important. Nous connaissons des pays qui censurent affaire information qui a divulgué sur internet là. Des blogueurs ont été en prison, des journalistes qui allaient en prison pour ça. Ben ça a existé dans pays Vietnam, dans pays la Russie et dans Venezuela, dans Thaïlande et yo même cité nos États-Unis dans ça tout. Eh ben, gagne un blogueur avec journaliste qui est en prison parce que il divulgue une série d'informations que le gouvernement pays ça a décidé que pas doit divulguer. Wefightcensorship.org, c'est un site internet qui allié avec Reporters sans frontières à apprendre monde comment pour crypter message, comment pour divulguer une série d'informations, alors bon information sur internet pendant ce temps pour protéger tête pour rester anonyme. Conseil des outils qu'il a pour ça, aller sur site internet ça n'a pas capable apprendre comment pour nous crypter message nous pour nous rester anonyme sur internet pendant que n'a divulguer information pour monde ta doit connaître. Merci en pile pour tout le monde qui t'a suivi nouveau épisode et puis sous affaire nouvelle technologie. Suivez-moi sur Facebook et Twitter sur nos Franky Gadomi. Vous SMS pour moi dans 509 46 55 07 93. Posez question ou bien faire suggestion. Et puis merci en pile à spcwiz.com. Bye bye, à la prochaine. Oh là là, ouf, oh là là.